Alors, on va aller chercher l'image d'une carte. Et donc, j'ai juste tapé USA Map et dans les outils, j'ai demandé ici les Creative Commons réutilisation et modification autorisées. Donc, j'ai un truc de Wikipédia, c'est forcément du domaine public, il n'y a pas à se poser de questions. Je fais un commande-clic, je fais afficher l'image. Et voilà du SVG, en effet. Ça, c'est intéressant parce que c'est un format vectoriel sur le web. Alors, si vous n'avez pas été chercher une carte SVG, c'est pas grave, hein, vous aurez l'explication ici. Mais ça veut dire que c'est une carte qui peut être redimensionnée autant à la dimension qu'on veut, ça reste net, forcément, c'est du vectoriel. Ce n'est pas du pixel. Et pourquoi pas, on peut utiliser ça. Alors, on va enregistrer l'image ici, par enregistrer sous. Oui, voilà, il veut bien l'enregistrer, SVG. Je l'enregistre. Je l'ai enregistré dans un dossier que j'ai créé pour aujourd'hui, en fait. Voilà.